Bravo. Ça l'a bien rendu. Bien. Il m'a dit merci. Ah ouais. Ah oui. Attention au contrat derrière. Bravo. Ça sera du temps général. Arrête ça. Ah, ça me fait plaisir. Jean-Paul, est-ce que ton cœur a tenu ? Oui, il a tenu, mais ça, il a été pendant 30 secondes à ligne droite. Ça, il battait assez fort parce que je l'ai vu quand même à l'entrée de la ligne droite prendre la tête. Je me suis dit, 400 mètres encore à faire devant. Ça va peut-être être compliqué, puis non, mais il a bien résisté jusqu'au poteau quand même. Donc il a quand même été bon, hein, parce que c'est pas un cheval quand même à aller trop devant. Il nous l'a encore fait voir aujourd'hui, il faut faire attention, il faut essayer de venir dans les derniers mètres, mais bon, là malheureusement il avait plus de dos, alors donc il fallait venir. Et le changement de piste, comme tu le pensais, a été bénéfique? Ah oui, certainement, c'est sûrement un meilleur cheval sur une piste plate que sur Carvincen. La suite de son programme, on parle beaucoup d'Oslo, est-ce que tu confirmes? Ben là, normalement, oui, sauf incident, normalement, on va finaliser ça, oui. Je pense qu'il devrait aller là-bas. Eric, satisfait du comportement de rêve? Oui, courte première, on est devancé par deux excellents chevaux. Croix du Lupin, cheval de la course avant le coup, et Swedish Man est déjà devancé ici, donc non, on a eu la bonne course, aucun regret. Au premier départ, il t'a fait une petite blague? Ouais, au premier départ, j'ai pas eu toutes mes aises, ça a un peu tassé du dehors, j'étais obligé de le reprendre, donc tant mieux qu'il y ait eu faux départ. Là, on t'a senti par moments un petit peu en difficulté avec lui. Est-ce que c'est qu'une impression ou par moments, il n'était pas si sûr que ça? Bah, c'est un cheval qui veut aller vite, hein, qui veut trop en faire. C'est vrai que comme il met son cœur sur la piste, il est toujours à la limite de la rupture. Mais c'est vraiment un chic cheval. C'est vrai que le faux départ te coûte cher? Oui, mais bon, le cheval fait une très bonne rentrée quand même. C'est sûr qu'en partant devant, au lieu de partir dans un dos, on aurait lutté plus activement pour la victoire. Le wagon de 3 s'est bien formé pour toi? Oui, oui, on s'est bien fait ramener, on a eu un très bon parcours, hein, malgré tout. Ça s'est très bien passé, le cheval il fait une bonne rentrée. Quoi. Le prochain objectif, c'est le Balière? Oui, et ça va passer par le Chambompé entre deux. Pour le moment, on est sur la bonne voie, t'es rassuré de cette rentrée? Oui, oui, bon, j'avais pas besoin d'être rassuré, hein. Le cheval il était resté bien depuis sa fin de meeting. Voilà, il a juste confirmé que voilà, il était déjà en forme quand même.